Ah, oh, mais ça déconne là. Les sorciers là, ils sont partout. Ils ne veulent pas que on leur dise nos quatre vérités. Non, votre médicament là ne va pas nous prendre. Nous, on est les enfants bénis du pays. Donc, le combat que nous, on est en train de faire là, c'est un combat qui est dans notre cœur. C'est un combat que Dieu est avec nous. Donc, votre Satan là, ça ne va pas nous attraper. Nous, on marche avec Dieu pour vous combattre. Donc, votre satanique là, partout où nous, on va s'asseoir là, ça ne va pas nous attraper parce que nous, on est là pour sauver la vie de certaines personnes, pour sauver le pays. Donc, vous, les satans qui sont parmi nous là, ça ne va pas nous attraper. La famille, voici la grande, allez-y sur la page de la grande sœur Mariama Sissoko. Son live qu'il a fait hier là, vous allez écouter la femme là. La femme là même a demandé pardon aux Guinéens. Donc cela veut dire la femme là, leur groupe là, ils sont beaucoup. Tous les retards qu'on est dedans aujourd'hui, ça a commencé par là-bas. C'est vrai, hier, elle a parlé, elle a bien parlé, parce que vous avez vu le bon Dieu là, la famille. D'autres sont là, ils vont mentir parce qu'on ne voit pas Dieu. Ils vont dire, oh, au nom de Dieu, je n'ai pas fait ça. Vous avez vu le bon Dieu, tu vas jurer sous les mensonges parce que tu ne le vois pas. Mais ça va, ça, pour lui là, ça se pack, ça se pack, ça se pack. Mais le jour où il va faire sous toi, wow, c'est là-bas maintenant, les gens vont t'attendre à parler des choses. Et pourtant, tellement que Dieu t'a frappé comme ça, là, c'est pourquoi maintenant tu es là à parler les choses que tu faisais. Donc, pour Dieu, là, il n'est pas pressé. Tu vas mesurer sur lui, sur les mensonges. Mais le jour où il est prêt pour te faire honnir, là, toi-même, c'est toi-même qui vas appeler les gens pour leur dire. Donc, la femme, là, Dieu lui a poussé comme ça pour lui envoyer nous dire des choses que nous, on ne connaît pas. Des choses qui sont au sous-sol. Tout va sortir. Tout ce qui est cassé là pour l'affaire de la Guinée, là, ça va sortir la famille. Il y a beaucoup d'abord qui est derrière que nous, on ne connaît pas. Tout va sortir. C'est pourquoi je vous ai dit que Dieu ne fait rien pour ne rien. Dieu a laissé les gens là encore pour qu'on puisse comprendre beaucoup de choses sur notre pays qu'on ne connaît pas. Vous avez vu l'histoire de Alpha Condé. Tout le monde est là maintenant à comprendre petit à petit, petit à petit. Et la femme là a demandé pardon hier aux Guinéens. Ils sont beaucoup comme ça là. Ils ont des secrets à garder et c'est à cause d'eux aujourd'hui le pays est en retard. Mais où ils sont aujourd'hui? Certaines personnes même qui mentaient là, quand ils partent voir sa génération aujourd'hui, la femme qui parlait là hier, peut-être leur groupe là, si tu pars même voir certaines personnes, tu vas avoir pitié de eux parce que leur vie, mais chose comme un péché là est en train de jouer sur eux comme ça là. Parce que ton pays, tu dois aimer ton pays, la famille. Et vous, nos générations qui sont sur les Facebook là, qu'on vous a accepté justement pour venir nous insulter, pour venir mentir aux générations qui sont derrière nous, pour que vous allez mélanger leurs têtes, pour qu'ils vont vous suivre. Nous, on va être là pour eux. Mensonges là, tout, je vous ai dit. Quand Alpha Condé va partir là, il va partir. Leur groupe là va partir avec tous leurs problèmes là. Tous leurs problèmes là vont partir avec eux. Parce que nous, on va changer. Il faut que la Guinée recommence tout à zéro. Et il faut que l'attente soit entre nous, la famille. C'est pour vous dire qu'on doit aimer son pays. Vous avez vu aux États-Unis ici,
dès que tu quittes là-bas pour faire entrer ton pied ici, il y a quelqu'un qui est payé spécialement pour rentrer, pour contrôler tes va-et-vient. Tu ne rentres pas contre, sauf si tu as un problème ici là et que tu pars à la justice. On te prend. C'est là-bas où on va te faire sortir depuis ton rentrée ici là. Même là où tu payais le pain, là où tu rentrais sorti là. C'est ce jour-là qu'on va te montrer tout. C'est pour te dire que ils contrôlent leur pays tellement. Ils contrôlent leur pays tellement. Mais nous on vend notre pays aux ennemis. Et nous-mêmes, on est dans ce pays, on est en Guinée. Quand ça se gâte là, on prend encore la souffrance là. La famille, prenez soin de nous. Il faut qu'on combatte les ennemis qui sont parmi nous. C'est ça que je vous dis matin, midi, soir. La femme là a pardonné hier. Dieu a dit, quand tu fais quelque chose de mal, il faut demander pardon. Mais en vrai dit, retard qu'on est dedans aujourd'hui, c'est eux. C'est eux, parce que tu vas prendre l'argent là pour mentir à les pauvres parents. Et toi-même, tu es l'enfant de ce pays. Tu ne peux pas faire quelque chose de bien pour avancer le pays. Ces mensonges que tu vas prendre, faire pour laisser ton pays derrière. Regardez aujourd'hui comment la Guinée est. Ça fait honte à cause de leur menti là seulement. Et les groupes là sont partout. Sur les réseaux sociaux, dans les quartiers, partout. Quand quelque chose arrive comme ça là, ils vont venir mentir pour mettre mensonge là dans la tête des gens pour ne pas qu'ils puissent comprendre les choses. Les réalités, vous êtes méchants. Dieu a besoin de vous demain. Et ceux qui sont dedans là, c'est le temps de changer. C'est le temps de changer. Mettez dans vos têtes que vos parents vivent dans ce pays-là. Vous-même, vous avez des enfants en Guinée. Il faut préparer leur avenir. Il ne faut pas mentir, mettre ton pays derrière pour que demain ton enfant là va souffrir dedans. Vous qu'on vous a accepté là, changez, travaillons ensemble pour que le pays là sorte dans cette situation. Ça c'est pas un bon travail. L'argent là c'est combien on vous donne? Vous qui venez sous nos pages là pour nous insulter, c'est combien on vous donne? Parce que quand vous ne faites pas les insultes là, on ne va pas vous donner. Allez-y travailler, ça, ce n'est pas un bon travail. Allez-y dire à votre faux là de cesser quelque chose que vous allez faire jusqu'à votre mort. Ça, ce n'est pas un travail propre. C'est un travail sale que Dieu n'aime pas. C'est un travail sale que Dieu n'aime pas. Il faut faire quelque chose pour avancer ton pays. Ne fais pas quelque chose pour mettre feu dans ton pays. Et ils sont beaucoup comme ça là. Ils sont beaucoup comme ça là entre nous. Quand d'autres te mentent là, même quelqu'un qui veut faire un bon travail là, quand ils viennent mentir sur l'intéressé, si tu n'es pas quelqu'un qui est croyant, tu vas suivre leurs mensonges là. Même quand tu vois l'intéressé, tu vas les détester. Avec leurs mensonges là. Arrêtez ça. Ça, ce n'est pas un bon travail. Arrêtez ça. Donnez-nous la main pour qu'on travaille ensemble. Pour que les enfants qui sont derrière nous comme ça là vont en bénéficier ça demain. Il ne faut pas qu'ils viennent masser dans la souffrance là. S'il vous plaît. Mettez dans vos têtes que vos parents sont là-bas. Vos enfants sont là-bas. Arrêtez de mentir pour mettre le pays en retard. Et la femme qui a parlé hier, là, ces générations-là encore, j'ai un message pour vous. Vous qui sont cachés là et que vous avez menti avant,
le temps de se couturer, le temps de alpha choses. Comptez, sortez, vous allez nous dire, nous qui sommes vos enfants là, sortez, vous allez nous dire la vérité pour que le pays là s'arrange dans la paix, pour que ça nous, tout, nous tous on va en bénéficier. Sortez, vous allez nous demander pardon parce que vous avez mis nos vies en retard. Nos frères ont fini l'université, ils sont assis, ils n'ont pas de boulot. Tout ça là, c'est quand un pays n'est pas développé que les jeunes s'ouvrent. Donc sortez, vous allez nous demander pardon, vous allez nous dire la vérité. Pour que le système qui est là-bas, là, ça change. On ne peut pas continuer dans la sale chose là. Ce n'est pas bon. Nous, on veut que nos enfants et nos petits-enfants soient dans le paradis demain. Pour que quand ils se lèvent, ils vont voir que leur maman et leur papa ont laissé au moins quelque chose de bien derrière eux. Parce que quand tu te lèves et que tu travailles, tu construis même quelque chose de bien, tes enfants vont dormir sur ça demain et ça va leur donner aussi courage de faire quelque chose aussi pour leurs enfants. Mais tu grandis avec ton papa, il n'a pas travaillé. Il a souffri pour vous élever. Toi aussi, tu viens marcher sur ça. Il y a certaines familles en Guinée, depuis que leur grand-père, concession que leur grand-père a construit, jusqu'à présent, c'est dans ça qu'ils sont. Leurs papas n'ont pas eu moyen de construire. Eux aussi, ils ont fini, ils n'ont pas de boulot. Pensez à ça, la famille. Arrêtez de mentir. Il faut qu'on se dise la vérité pour que le pays la change. Pour que le pays la change. Mettez ça dans vos têtes matin, midi, soir. Le pays là, c'est ce moi. Je dois faire quelque chose de bien. Donc, vous, qu'on vous paye là, pour venir mentir seulement à la population. D'autres même vont quitter ici là pour aller jusqu'à dans les petits villages. Aller déranger les villageois là-bas. Aller leur mentir comme ça là. Juste donner leur un petit somme. Et ils sont là-bas, ils ne connaissent rien. Dieu a besoin de vous demain. Dieu a besoin de vous demain. Parce que ça, ce n'est pas un bon comportement. Ça, ce n'est pas un bon comportement. Il faut que vous changez ça. Soyez comme un être humain. Les sataniques qui sont au pouvoir là, ils sont là à vous manipuler à cause de votre bien là. Parce que l'argent qu'ils prennent pour vous donner là, c'est ça là qu'ils doivent prendre pour créer des emplois, pour vous donner des courants, pour arranger les routes, pour que au moins quand tu es au pays, tu es à l'aise. Ils vont prendre l'argent là pour vous donner. Et ça va même pas vous envoyer ici, là. Chacun a une grande famille. L'argent, là, même, ça peut même pas te suffire. Quand on vous donne, là, votre problème, même, est plus grand que l'argent, là. Mais ce qu'on va te dire de faire, quand tu fais ça, tu sais combien de personnes ça va les attraper? Quand on te dit de faire quelque chose de mal, ne regarde pas l'argent. Mal qu'on t'a dit de faire là. Il faut d'abord penser, quand je fais ça là, ça va créer combien de dégâts. Donc vous, qu'on vous a accepté avant là, sortez, vous allez nous demander pardon. Vous allez nous dire la vérité pour que le pays la change. Nous, on ne peut pas rester comme ça là, bras croisés. En train de voir le pays comme ça là. Voilà qu'on a augmenté le carburant. Un pays où beaucoup de personnes ne travaillent pas. Comment ça va être? C'est-à-dire, ici là, tout le monde travaille. Même si on dit telle chose, c'est maintenant comme ça là. On sait que chacun travaille. Chacun va payer. Ici, là même,
courant là, quand Fernimoy arrive là, il faut voir les gens courir, aller payer le courant. Parce que ça y est sur toi, matin, midi, soir, tu fais tout dedans. Tellement que tu es en l'air sur le courant là. Dès que le mois finit, tu es même pressé pour aller payer. Parce que tu travailles. C'est comme ça l'État doit faire. Tu dois faire des bonnes choses au pays avant de commencer à dire à la population, payez ça. Mais vous êtes là à prendre l'argent avec nos pauvres parents qui partent cesser l'argent-là dans la souffrance. Excusez-moi la famille. Hello? Hello? Yeah, excuse me, I will call you back, okay? Okay, okay. Donc la famille, il faut qu'on se dise la vérité pour que le pays la change, s'il vous plaît. Il faut pas que vous allez suivre les gens là. Les gens qu'on les paye là. Même si on vient vous donner l'argent pour dire que va faire tel mal à telle personne, il faut pas qu'on accepte. Il faut qu'on mette notre pays devant pour que nous tous on va en bénéficier. Donc vous qui sont là, qu'on vous accepte matin, midi, soir là, pour aller insulter, pour aller dire des mensonges, pour mettre le pays en retard, arrêtez. Ça, c'est pas un bon travail. Vous-même, asseyez-vous. Asseyez-vous, vous allez réfléchir bien comme un être humain. Prenez Dieu parce que les sataniques là viennent vous piquer avec leurs médicaments là. Donc, quand un vient même, il faut courir si tu es musulman là. Dès qu'il quitte devant ta porte là, tu cours. Si tu es musulman, tu pars prendre le courant pour lire. Si tu es chrétien, va prendre la Bible, tu vas lire pour que l'air, Satan qui est dans leur corps, pour que ça quitte dans ta maison. Parce que quand ils vont parler avec toi, là, ça reste sur toi comme ça pour que tu vas partir faire ce qu'ils ont, ils t'ont dit là. Donc dès qu'ils quittent là-bas, là, il faut prendre le courant ou bien tu prends la Bible. Parce qu'ils sont là-bas, ils ne sont pas maintenant les êtres humains. Ils sont avec des sauges. Mal comme ça, c'est pourquoi il ne voit rien, il ne comprend rien. Parce que quand tu es avec les satans là, tu n'attends pas. Même si on te montre la vérité, tu vas dire toujours que c'est faux. Parce qu'ils ont déjà avec quelque chose que eux-mêmes, ils ont juré sur ça. Dès qu'ils vont dire quelque chose qui est vrai là, oui, ils vont mourir. Donc c'est pourquoi on doit se donner la main pour les battre. Vous-même, vous êtes là. Maintenant, voilà, on a augmenté l'essence là. Même nous qui sommes là, on va en souffrir. On a nos parents là-bas. Tout le monde va prendre le pot cassé de ça là. Et quand nous, on est là, on vous dit la vérité, vous pensez qu'on n'a pas de travail. On a le travail. On a le travail à faire. C'est après nos travails là que nous, on vient nous asseoir pour vous parler, pour que vous allez comprendre ce que vous ne connaissez pas, la famille. Donc, donnez-nous la main. C'est l'union qui fait la force. C'est l'union qui fait la force. Les soussous disent que on a non différent ou mborebe. On a frafansi, autant vous les fallait. La Guinée-Bissau.
Oulebra moutagan. Moumou dorofe moura djimato. Tina moura moura de en moura comment on dit. Je vais parler mes chouchous là. Moura de en moura comment on dit les petits enfants en chouchous même. Ils vont venir passer dans la souffrance là. Moumou dorofe moura moura na oule matou. Mounon de falamane oube. Ouwa ma roma moua falamane. Ouwa ma roma. On va vous dire la vérité. On ne peut pas continuer dans mensonges là comme ça. La Guinée va changer. Que vous voulez ou pas, ça va changer. On ne va plus laisser maintenant le temps à les gens qui nous manquent, à les gens qui ne veulent pas avancer le pays là. On ne va plus maintenant vous laisser le temps. Donc vous qui sont là à mentir là, arrêtez, changer pour qu'on se donne la main. Que tu sois soussou, les soussous, vous-même, vous êtes mes comment dirais-je? Quand je dis que la Guinée est une famille, voilà. Ma Guinée, dans ma famille, il y a tout. C'est pourquoi moi, je ne connais même pas la méchanceté. Je ne sais pas faire. Je ne peux pas faire la différence. Parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont malinqués. J'ai grandi dans une famille musulmane. J'ai mes tantes qui s'est mariée avec les peuls. Donc moi, dans ma famille, il y a toutes les races dedans. Je ne peux pas faire l'injustice. Je ne peux pas faire la haine. Je ne connais pas ça. Je ne connais pas ça. Moi, je prends tout le monde ensemble. Parce que nous tous, on est Guinéens. Que tu sois l'Andouma, que tu sois quoi, on nous appelle toujours les Guinéens. Donc, il faut qu'on montre ça aux gens, la famille. Donc, le message qui était là-bas pour aujourd'hui, là, c'était ça. Changez, vous qui mentez aux populations, aux pauvres populations. Allez-y sous la page de notre grand frère Djibril qui vient de perdre sa maman. Paix à son âme. Un coucou pour toi, mon frère. Allez-y sur sa page. J'ai vu une vidéo là-bas. Jusqu'à Massanta, le village là. Il y a certaines personnes même dans notre association ici, ils ont mis la vidéo là. Les gens là sont au village là-bas. L'eau qu'ils boivent, si tu vois l'eau là, tu vas pleurer. Tu vas pleurer. Les pauvres personnes, parents là sont là-bas au village. Il n'y a pas l'aide. Et vous êtes là-bas assis. Vous ne réfléchissez même pas à eux. C'est quand il y a campagne que vous allez partir les cesser en brousse là-bas. Et vous-même, vous voyez leur situation. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Même à Conakry là-bas, il y a des parents qui souffrent comme ça. Au village, on n'en parle même pas. D'autres ont difficulté de l'eau. Forage là, pour faire forage là, ça coûte combien? Vous prenez des milliards là pour venir mettre ici là. Les pauvres parents là sont là-bas à souffrir. Il faut avoir peur de Dieu. Dieu a bien fait de se cacher. Parce que s'il ne se cachait pas là, on allait lui critiquer même. Pour lui dire, regarde même la tête de Dieu, comment il est. Il a bien fait de se cacher. Il est caché comme ça, mais il faut regarder comment les gens mentent pour jurer sous son nom. La famille, il faut qu'on croie à Dieu, qu'on arrête de faire certaines choses. C'est pas bon. Il faut pas que tu fais mal maintenant quand tu es vieille ou bien tu es vieux. Tu es là maintenant matin, midi, soir à aller aux mosquées et pourtant tu as fait beaucoup de choses. Qui a créé dégâts même, les dégâts qu'on ne peut même pas changer dans la vie des personnes. Arrêtez la méchanceté, il n'y a rien dedans. Il faut qu'on s'aide entre nous, il faut qu'on se donne la main. Quand ton ami envoie quelque chose de bon, il faut l'aider. Bonne chose là, ça va aider beaucoup de personnes au pays. C'est comme les gens qui tressent les gens au pays. Les gens qui envoient des bonnes choses pour la population.
Tout ça là, c'est pour aider la population à être en l'aise. Donc, il faut qu'on se donne la main pour travailler ensemble, la famille. C'est dans ça qu'on peut en bénéficier. Ça, c'est ma parole, nuit et jour. Et je ne vais pas me fatiguer pour ça. Parce que j'ai vu certaines familles là-bas, leur situation. À cause de ça, je combats toujours les méchants de ce nom. Je vais combattre toujours les gens qui ne veulent pas avancer nos pays là, qui mettent nos pays là en retard. Je vais vous combattre toujours. Parce que les pauvres parents là n'ont pas la force. C'est nous qui doit battre, c'est nous qui doit parler à leur place pour que ce qu'ils ont besoin, qu'on puisse leur donner ça, la famille. Donc, ne baissez pas les bras. Le combat continue, la famille. Et Dieu est avec nous. Si c'est vrai que le combat qu'on est en train de faire, c'est pour avancer le pays, c'est pour aider les pauvres populations, on va arriver jusqu'au bout. On va arriver jusqu'au bout. Les satans là ne vont pas rester là-bas. On va les sacher. Donc, c'était ça la famille. Donnez-nous la main, c'est l'union qui fait la force. Ça, c'était un message pour les menteurs qu'on les paye là. Arrêtez. Ce n'est pas un bon travail. Mettez dans vos têtes que vos enfants sont là-bas. Vous devrez faire des bonnes choses pour qu'ils ne souffrent pas demain. Ce n'est pas mensonge là que vous allez prendre pour que demain, et ils vont venir encore passer dans la même chose là. Ça, ce n'est pas quelque chose de bien. C'est pourquoi certains groupes sont en Guinée là-bas là. Ce que leurs parents ont fait avant, ils ont là toujours à faire la même chose. Et ça ne peut pas évoluer le pays. Vous-même, vous êtes dans ça là. Ça ne vous donne rien. Vous-même, vous êtes dans la même souffrance là. Donc, c'était ça la famille.